بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أتممنا ولله الحمد ما تعلق بالكتاب ce qui avait un lien avec le chapitre relatif aux ventes et au commerce, ainsi que ce qui est lié à l'héritage. On va voir maintenant ensemble le chapitre relatif au mariage. Avant de commencer ce chapitre-là, il faut savoir que la base qu'on évoque, ce qui a été rapporté d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith dans lequel il conseille aux jeunes qui sont capables d'assumer un foyer, la responsabilité du mariage, ils se marient. Quant à celui qui ne peut pas, qu'est-ce qu'il fait? Obligatoirement, il doit revenir vers les conseils donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, premièrement, jeûner. Il jeûne. Avec le jeûne, en réduisant la nourriture et la boisson, donc il jeûne, il invoque Allah Ta'ala afin qu'il le préserve avec le halal, le licite, contre l'illicite. Il doit aussi délaisser les paroles inutiles. Il y a beaucoup de personnes qu'Allah nous guide ainsi qu'eux. Ils parlent très très futilement. Et ils peuvent donner ils peuvent citer des choses qui vont susciter l'envie chez les gens. Parmi ce qui aide à patienter, il lire la sourate de Yusuf alayhi salam, notamment quand Yusuf alayhi salam dit que la prison lui est préférable à ce que les femmes l'ont appelé à faire. Et qu'il se rappelle aussi de ce qu'Allah lui a proposé au paradis comme délice et comme bonheur avec les épouses, et qui se rappelle que celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah lui remplace par quelque chose de meilleur encore que ce qu'il a délaissé. Qu'il s'éloigne de tout ce qui peut être une cause de tentation. Non, de regarder sur internet de quelques sites ou bien quelques chaînes sur la télé qui ne n'aille pas dans ces chaînes-là ni dans ces sites-là. Hein, il s'arrange pour ne pas être seul. Et si jamais il s'arrange pour dormir que lorsqu'il est épuisé. Si il peut, il visite les tombeaux aussi. Hein, les ennemis de l'islam, ils ont voulu que les musulmans tombent dans la fornication et qu'ils pervertissent leur lien de parenté et tombe dans le péché. Le Shafi'i, rahimallah, il disait que la fornication est une dette. Si jamais tu ne rembourses pas ta dette, eh bien, ton créancier, il se remboursera avec les membres de ta famille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à son jeune cousin Abdullah ibn Abbas, protège les ordres d'Allah Ta'ala. Fais-toi connaître à Allah dans l'aisance, il te connaîtra de la difficulté. Toi, tu demandes à Allah Azza wa Jalla, c'est le pourvoyeur par excellence. Et sache qu'avec la difficulté, il y a la facilité. Et il y a d'autres choses aussi que les savants ont citées, qu'Allah leur fasse miséricorde, pour le célibataire ou celui qui ne peut pas se marier. Certains savants, parmi les plus prédécesseurs, ils disaient ça à leur époque. Hein, ils disaient épargner dans nos assises nos jeunes, les jeunes parmi nous, avec toute discussion en rapport avec le sexe ou en rapport avec la bouche. Donc celui qui peut se marier, il se marie.
Quant à celui qui est déjà marié, il doit savoir qu'il est dans un bienfait. Et il doit tout faire pour conserver ce bienfait-là. Certains savants, qu'Allah la fasse de côté, disent qu'il doit prendre en compte l'état des autres. Notamment, il doit avoir de l'indulgence envers ceux qui ne peuvent pas se marier, qu'il arrête de parler de ça devant ceux qui ne peuvent pas se marier. Et que celui qui a pu se marier n'aille pas habiter dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se marier. Qui peut me citer quel est le jugement du mariage dans l'islam? C'est quoi le jugement du mariage, mes frères? Qui m'évoque le jugement du mariage? Vous ne connaissez pas le châtiment. Je pensais que vous connaissiez bien le chapitre du mariage. Je pensais même que vous le connaîtriez mieux que moi. Sachez que le mariage est soumis aux 5 jugements d'ordre légal. C'est-à-dire que chez certains, le mariage, il est obligatoire. Il a une capacité de se marier, physique et financière, et il a peur de tomber dans la fornication. Pour lui, c'est obligatoire de se marier. C'est recommandé pour celui qui peut se marier, qui a les capacités physiques et financières, mais il ne craint pas de tomber dans la fornication. C'est toléré, c'est-à-dire ni obligatoire ni recommandé, pour celui qui n'a pas besoin de se marier. C'est détestable pour celui qui ne va pas se faire ses obligations en tant que marié. Et dans certaines personnes, le mariage, il est carrément interdit. Comme quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui est malade, qui ne peut pas se marier physiquement, qui n'a pas les capacités de se marier physiquement. Ou bien certaines personnes, par exemple, qui jouent avec la loi d'Allah Ta'ala ou autre. Le prophète a dit qu'on épouse une femme pour quatre raisons. Quand les savants disent il faut comprendre de quoi il s'agit. Quand ils disent il faut, c'est en rapport avec l'obligation. L'imam Malik dit très souvent il ne faut pas que. Et il disait beaucoup cette parole-là de peur de dire le mot interdit. Parce qu'ils avaient peur d'employer ces mots-là, parce que dans le Coran, Allah Ta'ala, il met en garde et menace les gens qui emploient le mot interdit pour ceux qui ne l'aient pas. Dans les salafs, ils avaient peur d'employer ces mots-là, ils préféraient dire des synonymes. On n'a pas le droit de demander une femme en mariage alors qu'on sait que notre frère l'a déjà demandé en mariage. La femme qui est en période de viduité, on n'a pas le droit de lui faire comprendre clairement avec des mots explicites qu'on veut se marier avec elle. Le sort verra plus tard, Inch'Allah. On a le droit de faire comprendre implicitement à la veuve qu'on est intéressé par elle pendant sa période de deuil. Cheikh Ibn Uthaymin rahmallah, il cite certaines choses concernant le fait de voir la femme qu'on veut épouser. لأن المرأة الآن
Cheikh Rahimallah, qu'il faut la voir seulement après avoir discuté des affaires liées au mariage. Donc, ça, c'est la dernière des choses. La première des choses, c'est que ce soit avec le tuteur. Et ils parlent des choses ensemble concernant les accords et les conditions. Et c'est seulement après qu'on va, aller demander à voir la femme qu'on veut épouser. Il y en a qui se précipitent. Il y en a qui ouvrent des portes d'un très grand mal. C'est quoi? C'est le fait de discuter avec elle, ou bien de l'appeler au téléphone, ou de s'envoyer des images, des photos, et ainsi de suite. Comment tu veux commencer cette vie? Avec l'obéissance d'Allah, Azza wa Jalla. Il craint Allah Ta'ala, Allah lui favorise une issue et lui apporte sa subsistance d'un point auquel il ne pensait même pas. Donc il cite, lorsqu'il veut se marier, il cite la formule citée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a obligatoirement dans le mariage une affirmation et une acceptation. Et le tuteur, il doit préciser quelle fille il va marier en se prétendant, notamment quand il a plusieurs filles. Donc il dit son nom, ou bien il va dire une caractéristique qui lui est propre, qui nous permettra de la reconnaître. Par exemple, il va dire, je t'ai marié ma fille la plus grande, par exemple, ou bien l'aveugle, ou la borgne plutôt. Donc l'acceptation se fait de la part de l'auteur, du prétendant, il dit j'ai accepté. Les savants disent que dans le chapitre du mariage, ce n'est pas comme dans le chapitre du commerce. Donc quoi, il doit dire obligatoirement ce qu'il fait. Dans les us et coutumes des gens, tout ce qui est accepté était comme étant un commerce, est un commerce. Même si on ne se dit pas verbalement j'achète ou je vends. Alors que dans le mariage, on doit obligatoirement exprimer l'acceptation. Et là, quant à la femme, elle exprime son consentement par le silence, par pudeur. Donc il faut obligatoirement un tuteur. Ça, c'est un problème qui est très très courant aujourd'hui. Certaines personnes qu'Allah nous guide ainsi que ils se mettent d'accord avec le tuteur dans toute chose, et donc dès quelque chose qui ne leur plaît pas, alors il excommunie le tuteur et il dit que c'est pas lui qui va marier parce qu'il est mécréant. Il dit subhanallah, pourquoi il ne t'a pas gêné au départ de parler avec lui, et c'est seulement maintenant que vous ne mettez pas d'accord que c'est plus un musulman? Non, il ne faut pas s'amuser avec ces choses-là, subhanallah. Si le tuteur de la femme, si vraiment les conditions de la tutelle ne se réunissent pas en lui, alors la tutelle se transporte vers d'autres personnes. Le fait de faire un acte de mariage écrit apporte une sécurité et une officialité au mariage. Et combien de gens se sont mariés sans aucun contrat écrit, et le mari il a disparu et il a abandonné sa femme, ou bien il refuse de la divorcer, ou bien j'en passe et d'autres. Donc il faut obligatoirement qu'il y ait un certificat qui indique l'officialité du mariage. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonçait le mariage, et parmi la façon d'annoncer le mariage, qu'il y ait obligatoirement des témoins. Donc il faut obligatoirement dans le mariage le consentement des deux parties, de l'homme et de la femme,
et de, il faut aussi la présence et l'accord du tuteur de la femme, et il faut qu'il y ait des témoins. Et on verra après, Inch'Allah ta'ala, tout ce qui concerne la dot, qui est aussi une condition du mariage. Aussi, il faut que les deux maris soient, les deux époux, pardon, soient exempts des, soient exempts des défauts qui vont rendre l'acte de mariage nul. On va voir après aussi maintenant les femmes qui ne sont interdites au mariage. Et elles sont de deux catégories. Celles qui sont interdites à jamais et celles qui sont interdites temporairement. Donc celles qui sont interdites à jamais, quelles sont-elles? Elles sont sept dans la famille. La mère et la grand-mère maternelle et la grand-mère paternelle et l'arrière-grand-mère maternelle et l'arrière-grand-mère paternelle et ainsi de suite, en s'élevant dans les degrés. Donc les mères et celles qui sont avant. On a aussi les tantes paternelles et les tantes du père et les tantes du grand-père. Exemple, ton père, toi, maintenant. Est-ce qu'il peut se marier avec sa tante paternelle? Non. Eh bien, toi, tu ne pourras pas te marier non plus avec ta tante, là, avec sa tante paternelle. Tu ne peux pas non plus te marier avec ta fille, ni la fille de ton fils, ou de ta fille, et ni la fille de la fille de ton... ni la fille de la fille de ton fils, et ainsi de suite. Donc tout ce qui monte du père et de la mère est ce qu'il y a au-dessus, et tout ce qui descend de la fille est ce qu'il y a en dessous. Après, on a aussi toutes les sœurs, que ce soit la sœur avec, qu'on a de ses deux parents, la sœur qu'on a de son père ou la sœur qu'on a de sa mère. Et les filles de toutes nos sœurs, donc les filles de mes sœurs germaines et les filles de mes sœurs consanguines, du père ou de la mère. Ainsi que les filles de mes frères, quels qu'ils soient, les frères de mon père et de ma mère, les frères par mon père et ma mère, les frères par mon père et frères par ma mère. On a aussi les tantes paternelles et les tantes maternelles, ainsi que les degrés supérieurs, c'est-à-dire les arrière-grandes-tantes, les grandes-tantes et ainsi de suite. Et on en a sept qui nous sont interdites par là, par l'allaitement. Et les femmes qui nous seront interdites par l'allaitement seront les mêmes femmes qui nous seront interdites par le sang. الابن هذا يحرم عليه ان يتزوج من 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 امه من سعاد فهذا خالد هذه هي ام له من الرضاعه اي سعاد ام سعاد كذلك ام لها جده لهذا من الرضاعه وهكذا لكن اخوه خالد خويلد مثلا خويلد هذا هل يصح له ان يتزوج ببنت سعاد نعم ليس له علاقه العلاقه فقط بهذا الذي رضع من هذه المرأة على ما سيأتي معنا بإذن الله تعالى في الرضاع. Donc on aura l'occasion de revoir plus précisément ces choses-là par rapport à là dans le chapitre relatif à la lettre. Après, on a aussi la mère de l'épouse, ainsi que la grand-mère de l'épouse, et ainsi de suite. On a aussi la fille de l'épouse. Donc si par exemple j'épouse une femme qui avait déjà été mariée auparavant et qui a une fille du premier mariage, eh bien la fille de ma femme, elle me sera interdite.
تحرم أم الزوجة تحرم عليك بمجرد العقد. Déjà ta belle-mère, la mère de ta femme, te devient interdite seulement en contractant le mariage, rien qu'en se mariant, sans avoir consommé le mariage. Alors que la fille de ta femme, elle te devient interdite lorsque le mariage a été consommé avec sa mère. وتسمى بنت الزوجة بالربيبة زوجات الآباء زوجة الأب. Les épouses du père. Si mon père il a plusieurs femmes. أم هذا الرجل. فهي زوجة أب. Et bien. وكذلك زوجة. Toutes les femmes de mon père elles me sont interdites. Tout comme mon grand père s'il a plusieurs femmes elles me sont toutes interdites aussi. وكذلك أبناء الأبناء. نعم. Et pareil si mon fils il a plusieurs femmes elles me seront toutes interdites. Ça, c'est pour les femmes qui sont interdites à jamais. Après, on a les femmes qui sont interdites temporairement. Comme, premièrement, la sœur de ma femme. Tu ne peux pas avoir deux sœurs en même temps ou une femme et sa tante en même temps. Est-ce que cela signifie que cet homme-là il devient un mahram pour la sœur de sa femme? Non. Ça voudrait dire que celui qui a quatre femmes, eh bien, il y aurait énormément de femmes autour de lui qui lui seraient interdites au mariage. Si on compte toutes les sœurs de toutes ces femmes. Non. Dans le hadith, un homme il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a le droit de rentrer chez la femme de son frère? Je lui ai dit non. Il a dit c'est pire que la mort de faire ça. Donc il est interdit pour un homme d'avoir deux sœurs en tant qu'épouse ou encore une femme et sa tante. Que ce soit sa tante maternelle ou paternelle. Un homme, libre, il a le droit d'avoir quatre femmes. Et un homme esclave, il ne peut pas en avoir plus de deux. Quant au fait d'avoir des esclaves, il peut en avoir autant qu'il veut. Par les conditions établies par les savants dans les livres de jurisprudence. On a dit précédemment, dans les interdictions liées à la sacralité pour le pèlerinage, hein, que la femme, quand on est en sacralité, on n'a pas le droit d'avoir des rapports avec elle, tant qu'on ne sait pas désacraliser la désacralisation majeure. Il est aussi interdit pour le fornicateur de se marier avec la fornicatrice avec laquelle il a forniqué. Le fornicateur, comme Allah dit dans le Coran, n'épouse qu'une fornicatrice. Les savants disent que ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mari, s'il fornique, et la femme, elle sait cela. Soit elle accepte ou elle reconnaît l'interdiction de la fornication, mais elle n'interdit pas à son mari, donc elle a le même péché que lui dans la fornication. Ou bien, c'est une associatrice parce qu'elle a renié une chose qui est connue obligatoirement dans l'islam, c'est-à-dire l'interdiction de la fornication. Et c'est la même chose dans le cas où l'homme sait que sa femme est fornique et il ne lui dit rien. S'il ne lui dit rien alors qu'il sait que c'est interdit et ne renie pas cela, alors il est comme elle dans le péché, c'est comme si c'était un fornicateur. Et dans le cas où il ne renie pas le caractère, il renie le caractère interdit de la fornication, il aura certes fait l'association à l'ayat de Bouddha. Il est aussi interdit, comme parmi les femmes qui sont interdites aussi, c'est la femme qu'on a divorcée trois fois. Cette femme-là nous est interdite tant qu'elle ne s'est pas remariée et qu'elle n'a pas divorcé à nouveau. À partir de quand l'allaitement va donner à l'enfant allaité le même jugement que l'enfant de celle qui l'allaite. À partir du moment où l'allaitement a lieu avant qu'il ne soit sevré, c'est-à-dire avant ses 2 ans. Donc si une femme elle allaite un enfant
5 fois ou plus avant qu'il n'ait 2 ans, il devient son enfant de lait ainsi que son mari. Quelles sont les conditions du mariage? Donc là, on va amener une règle dans laquelle on trouve les conditions, que ce soit dans le mariage ou dans les règles ou dans quoi que ce soit. Les conditions dans n'importe quel contrat, contrat de mariage, un contrat de vente, une location, quel qu'il soit, comme contrat, tu dois dire les conditions dans tous les contrats se divisent en deux catégories. Une condition obligatoire, une condition supplémentaire. Une condition nécessaire et une condition facultative. La condition nécessaire, on a l'obligation de l'appliquer. Même s'il n'a pas été cité durant l'écriture du contrat. On a l'obligation de s'en tenir, de le faire, même s'il n'a pas été cité dans l'écriture du contrat de mariage. Donc, exemple, quelqu'un il se marie avec une femme. Ensuite, il ne se vient pas à ses besoins. Il n'achète rien à manger, rien à boire. Il ne vit pas convenablement avec elle. Tous les jours, il lui répète, je vais prendre une autre femme. Je vais prendre une autre femme, je prends une autre faute. Hein, il ne fait aucun des devoirs qu'il a envers elle. Donc le tuteur de la femme, il vient voir son mari. Il lui dit, pourquoi tu fais tout ça? Alors le mari répond, quand le jour du mariage, tu n'as pas mis comme condition dans le contrat que je dois faire tout cela. Alors subhanallah, tu as rien compris. Ça c'est inclus dans le contrat ça. Il est obligatoire de s'en tenir, même si ce n'est pas cité dans l'écriture de l'acte. Ça c'est quelque chose de connu. Pas besoin de le citer dans le contrat de mariage, la subvention aux besoins, ou bien vivre convenablement avec eux, ainsi de suite. Donc on a l'obligation de s'en tenir à ces conditions, même s'ils ne sont pas cités dans le contrat. Ça, c'est des conditions nécessaires qui sont incluses dans le mariage, même s'ils ne sont pas cités dans le contrat. Après, on a des conditions supplémentaires. Ça, on regarde. Si cette condition-là vient... est conforme à ce qui est licite ou à ce qui est illicite, elle ne va pas changer ces deux choses-là. Cette condition, si elle est citée durant l'écriture du mariage, on a l'obligation de s'en tenir et de l'appliquer. Exemple, un homme qui vient se marier et le tuteur il met comme condition au mari l'obligation de faire certaines choses pour sa femme. Par exemple, de la laisser finir ses études, de lui donner un logement dans un endroit avec dans lequel il y aurait 5 pièces et une Porsche et que tu fasses pour elle plutôt que tu lui donnes telle et telle somme d'argent pour la dot. Ça, c'est des conditions supplémentaires à la base qui est obligatoire. Est-ce qu'il a changé les réalités législatives, c'est-à-dire est-ce qu'il a interdit quelque chose d'autorisé ou autorisé quelque chose d'interdite? Non plus. Donc, s'il accepte de s'en tenir à ces conditions, il aura l'obligation de les appliquer. Deuxième type de conditions supplémentaires, c'est celles qui vont changer les réalités d'ordre législatif, c'est-à-dire ils vont interdire une chose licite ou rendre licite une chose interdite. Par exemple, on lui dit, tu fais un mariage, hein, tu fais une fête dans laquelle tu vas ramener de l'alcool, de la musique, des cigarettes, et on fera comme ci, et comme ça, et comme ci, et comme ça. Qu'est-ce qu'il doit dire? Il dit, d'accord, il n'y a pas de problème, réjouis-toi. Et on écrit, vas-y, écris. Si le tuteur il connaît le jugement de l'alcool, et du poivre et de la musique et tout ça, s'il sait ces choses-là, les savants du fiqh ils disent que الدليل ما الدليل على هذا المسألة؟
Dans tous les cas, il est interdit strictement de mettre en pratique ces conditions qui viennent demander de faire des choses interdites par la loi d'Allah Azza wa Jal, ou qui interdisent des choses qu'Allah Ta'ala il a légiféré. ولا وفاء به فإنما الولاء لمن أعتق يعني لا ولاء لهم ونكاية بهم يكون هذا على قبول مفهوم أما أن تأتي بالخمور وكذا أعوذ بالله. Donc les conditions se divisent en deux parties, conditions obligatoires, des conditions donc obligatoires qu'on doit obligatoirement appliquer, des conditions supplémentaires que si on accepte on doit absolument les mettre en pratique lorsque celles-ci sont en conformité avec la loi d'Allah Azza wa Jalla. Et si jamais on nous demande de faire on nous impose des conditions qui ne sont pas en conformité avec la loi d'Allah Azza wa Jal, on a l'interdiction de les mettre en pratique. Donc maintenant on va passer au chapitre en relation avec les défauts dans le mariage. Donc on a dit que quand le prétendant vient demander en mariage la fille, on l'entend parler. On entend parler, il parle avec du miel, il parle gentiment, il se vante, et il parle, il parle de lui en se vantant, il se vante. Et il rassure le tuteur en lui disant, t'inquiète pas, t'as rien à craindre de moi, tu verras que des choses qui vont te plaire en moi, et ainsi de suite. Et lorsque le mariage il a lieu, le moindre problème, bien sûr après la consommation du mariage, le vrai visage il apparaît et le masque il tombe. Et il va voir le beau-père. Ou bien plutôt il va voir un shir dans une mosquée et il va lui dire ouais, ils se sont moqués de moi et en plus de ça elle a des défauts. Donc il faut qu'on voit c'est quoi les défauts. Donc là, c'est ce qu'on va voir dans ce chapitre-là. Il y a des gens qui voient que certaines choses sont des défauts alors que ce n'est pas en vrai. Par exemple, il va voir le cheikh et lui dit, écoute, qu'Allah nous préserve. Elle a des tout petits yeux. Ça c'est pas un défaut dans le mariage. Ça n'a rien à voir. Il y en a qui aiment bien les petits yeux. Donc c'est pas un défaut ça. Donc on va voir quels sont les défauts, si vraiment ils sont à prendre en compte ou par exemple la longueur des cheveux ou bien le contraire. Ce n'est pas un défaut. Donc on va voir le défaut. Si le mari connaissait la présence de ce défaut avant le mariage, il n'a pas le droit de se plaindre de la présence de ce défaut-là. Il est obligatoire pour le tuteur, s'il connaît ce défaut, il a l'obligation de le citer. Et bien sûr, il faut que ce soit un défaut réel. Hein, parce que si elle est enrhumée, c'est pas grave. Maintenant, si elle a une maladie incurable, ça c'est vraiment un défaut. Quand elle avait 6 ans, elle est tombée par terre. Et ils ne me l'ont pas dit. Ils m'ont menti. Et je vais me venger. Tu veux quoi qu'elle te donne? Qu'elle te donne une cassette enregistrée de sa vie dans toute chose. Ça, on regarde si le défaut, il est vraiment réel ou non.
plutôt s'il est vraiment préjudiciable ou non. Si elle est folle, par exemple, ou bien si elle a un problème d'ordre mental. Si, par exemple, elle est touchée par des crises d'épilepsie à longueur de journée. Là, ça, c'est vraiment un défaut. Elle a, par exemple, la variole. Qu'Allah nous en préserve. Si le tuteur est au courant de ça, il a l'obligation d'informer le prétendant avec de cela. Mais si par contre il l'ignorait et que ce défaut n'est apparu qu'après le mariage et parce qu'elle a caché à tout le monde. Donc là, le mari doit s'en prendre à celui qui lui a caché le défaut. Si celui qui a caché le défaut, c'est le tuteur, alors c'est le tuteur qu'on se rendra. S'il ne savait pas, on revient donc vers la fin. Et bien sûr, ça c'est le juge qui estime cela. Pourquoi on parle toujours de dans les femmes et pas dans les hommes? Subhanallah. Le prophète Hassan, il a dit quoi? Qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si un comportement à elle ne lui conviendra pas, un autre lui conviendra, Inch'Allah. Toi, tu veux un compagnon qui n'a pas de défaut? Est-ce que tu as déjà vu un feu brûler sans fumée? Ce jugement-là, Ibn Sa'di, rahimahullah, dit qu'on retourne au juge. Donc, si quelque chose ne te plaît pas chez ta femme, n'en fais pas une priorité et n'oublie pas que toi aussi tu as des défauts. Alors, pense aux qualités de ta femme et ça te fera oublier ses défauts. Des fois, ils sortent des choses, les gens, c'est la honte en vrai d'en parler. Comme celui qui se plaint du fait que sa femme ne lui a pas fait la cuisine un tel jour. Un jour, le prophète est rentré chez ses femmes. Il a dit, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Hein? Alors, elle a répondu non. Et il a dit, dans ces cas-là, je jeûne. Quant à nous, si jamais elle ne fait pas manger une fois dans la journée, eh bien, c'est la fin du monde. Si on trouve un défaut chez l'homme, par exemple, il est impuissant, il ne peut pas avoir de rapport sexuel. On lui laisse un an. S'il peut pénétrer, alors on continue. Et si il n'arrive pas à pénétrer après un an, alors la femme a le droit de annuler le mariage. Si le mari il épouse une esclave, il y a des conditions supplémentaires. Donc il ne pouvait pas épouser une femme libre, alors il a épousé une femme esclave. Et qu'après cela, elle a été affranchie, l'esclave. Et bien, elle a le choix de rester avec lui ou de demander l'annulation du mariage. Si jamais ils annulent le mariage avant la consommation de celui-ci, alors il n'a pas à lui donner la dot. Hein? Maintenant, si jamais il consomme le mariage et après cela il demande l'annulation du mariage, eh bien il ne récupérera pas la dot. On passe maintenant à la dot, c'est ce qui est donné par le mari à l'épouse et pas à son tuteur. Et ça fait partie des droits de la femme. Et il est demandé à ce que cette dot-là soit allégée. Et ça, c'est
ça ne veut pas dire annuler. Il y a des gens qui refusent des dots et qui disent non. Ibn Taymiyyah, rahmallah, il a dit, il voyait plutôt que la femme, obligatoirement, on doit lui donner quelque chose. Parce que là, elle va donner au mari ce qu'elle possède de plus cher. Donc si la femme se marie sans qu'on ne cite la dot, elle va avoir l'équivalent de ce que les femmes de son entourage reçoivent, ont reçu lorsqu'elles se sont mariées. Si jamais il la divorce avant même qu'il ne consomme le mariage, et il lui donne quelque chose quand même. Et il faut obligatoirement que le mari donne la dot entièrement avant qu'elle ne meure. Et lorsque si jamais le mari meurt avant d'avoir donné la dot complètement, alors on prend cela de ce qu'il a délaissé derrière lui, c'est-à-dire les biens qu'il a laissé après sa mort. إذا كان الفراق من قبل الزوجة نعم أو بالفسخ إذا كان لعيب وقلنا يرجع بالصداق على من غضى ينبغي يقول لمن طلق زوجته أن يمتعها l'homme n'a pas à donner l'aumône dans deux cas si c'est elle qui demande le divorce et suite qu'elle accepte de rendre la dot ou bien si le contrat est annulé suite à un défaut présent chez la femme qui n'a pas été précisé par le tuteur ou par la femme elle-même. عيد الفطر مثلا اعتاد الناس على هذا يعطيها الكسوة الطعام والشراب يطعمها ما يأتي الناس. Donc concernant les devoirs de l'homme par rapport à sa femme, c'est de lui acheter des vêtements de la même façon que les gens autour de lui achètent des vêtements à leurs épouses, de la nourrir et de la breuver de la même façon que les gens autour d'eux font avec leurs épouses sans exagération ni laxisme. Il ne doit pas lui faire du tort, il doit vivre convenablement avec elle et il doit lui acheter des vêtements qui lui plaisent, ainsi de suite. Allah dans le Coran leur donne aux hommes de vivre convenablement avec leurs épouses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a ordonné aux hommes de se comporter de la meilleure façon avec les femmes. Et il a comme devoir aussi le mari, c'est-à-dire d'être équitable entre ses épouses dans le partage, dans la dépense, dans les vêtements et dans tout ce qu'il peut comme dans l'équité. Est-ce que c'est une bonne chose qu'un homme il rentre chez lui après qu'il ait pris fait un cours avec son savant, avec son chir, et il vient voir sa femme et lui parle de la polygamie, il lui dit on a appris telle chose dans le livre et fait exprès. Là ça va la mettre en colère. Alors ça va pas être une façon de vivre convenablement avec elle.
Un élève, un jour, il est venu voir le cheikh après qu'ils aient vu que le fait de détester une chose qu'Allah il a légiféré, ça le fait sortir de l'islam. Alors, il y a un élève, il est venu voir, il lui a dit que sa femme a détesté la polygamie. Alors, c'est quoi son jugement ? Alors, il lui a dit, est-ce que tu veux dire qu'elle est mécréante ? Il a dit non. Alors, le cheikh dit là, non, elle, c'est pas le jugement en lui-même qu'elle déteste. Mais c'est qu'elle veut pas que toi, tu prennes une autre épouse. Est-ce que le prophète, il a fait ça avec ses épouses ? Non, il l'a pas fait. Généralement, celui qui bassine son épouse en lui parlant à longueur de journée de polygamie, il ne se marie même pas. C'est juste dans le but de faire du tort à sa femme. فإن وقع بينهما شيء لابد قلنا من العلاج الشرعي وهذا ما يكثر. Donc, dans le cas où il y a un conflit entre l'homme et la femme, hein, il faut savoir que le remède, il se trouve dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on a dit qu'il fallait faire l'exhortation. Et l'exhortation se fait avec le Coran et la Sunna. Et celui à qui le Coran et la Sunna ne suffit pas, rien ne pourra l'exhorter. Après cela, il y a l'exil. C'est-à-dire qu'il s'éloigne d'elle. Et ça se fait soit avec la langue, en s'abstenant de lui parler. Une durée de 3 jours. Et après 3 jours, il lui dit assalamu alaikum wa rahmatullah. Si ça lui a suffi, alors on n'a pas le droit d'aller plus loin que cela. Certains maris, la femme vient les voir en demandant donc à se réconcilier, et lui il refuse, il va jusqu'au bout, il continue, il ne veut pas. Et ce n'est pas une chose convenable. Si on craint qu'ils se séparent, alors chacun d'entre eux ramène une personne de leur famille. Donc que des hommes, des gens qui connaissent les moyens de les réconcilier, ainsi que les problèmes qui peuvent les séparer. Et il faut que ces deux-là viennent dans le but de les réconcilier. Pas dans le but de rajouter de mettre de l'huile sur le feu. Sur le feu. Tout ce qui sera fait à ce moment-là sera correct. Après, il reste à voir ce qui concerne le divorce et ce qui tourne autour de cela. Et on va s'arrêter là pour maintenant. On finira après.